Bonsoir à toutes et à tous. Dans quelques instants, nous retrouverons Nicky Dipson et Ben Harper en direct d'Auxerre pour les huitièmes de finale retour de la Coupe de France. Mais juste avant, quelques mots de Wrestling Southern League où il y a quelques minutes, Bruiser Bill a remporté son combat contre El Emperado par disqualification. Et la grosse surprise, c'est la victoire de Rick Master et Daniel Umbro sur les Mexican Butcher. Ils en profitent pour récupérer la ceinture mondiale par équipe. Sans plus tarder, retrouvons Nicky Dipson et Ben Harper. Bonne soirée foot. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue ici au stade de la Baie des Champs à Auxerre pour ces huitièmes de finale retour de la Coupe de France. Auxerre, dans quelques instants, va affronter Fontainebleau. Et mon cher Ben Harper, Fontainebleau a un pied et demi en quart de finale de cette Coupe de France. Oui, bonsoir Niki, bonsoir à toutes et à tous. En effet, Fontainebleau qui avait créé l'exploit de ses huitièmes de finale aller en l'emportant 1-0 sur un but de son avant-centre, Eric Lemartovic, c'est un superbe but. Et donc Auxerre, l'équipe managée par Giroud, doit absolument l'emporter par 2 buts d'écart aujourd'hui. On pense que c'est quand même possible, on va dire que c'est du 50-50, allez. Oui, d'ailleurs Giroud qui a repris assez sèchement un journaliste qui lui avait dit que ce soir Auxerre allait avoir... la possibilité de faire une balade de santé face à cette équipe de Fontainebleau, et Giroud s'est énervé en disant que Fontainebleau, il fallait les respecter et qu'au match aller, ils avaient vraiment, vraiment peiné à se défaire de cette équipe et de Fontainebleau. Oui, et c'est déjà parti, Monsieur Contrat qui a sifflé et Auxerre qui joue en bleu. Ah ben c'est déjà le but. Et c'est déjà le but. But des Auxerrois qui refont leur retard par rapport au match aller. But de Bro. Et ben voilà, le numéro 8, ouverture du score, on n'a même pas eu le temps de terminer notre phrase qu'il y a déjà un but. Alors j'espère que tout le monde est arrivé dans le stade, car ils ont loupé ce but marqué par Bro dès la première minute. Et regardez, on peut voir un petit peu l'errance de la défense de Fontainebleau qui laisse complètement, je crois que c'est Cuperli si je dis pas de bêtises, Rémy, pardon. C'est Patrick Rémy. Oui, c'est Patrick Rémy. Cette reprise au point de pénalty, c'est dévié par Montaubin dans les pieds de Bro qui n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Ah oui, alors là, les Bellifontains, excusez-moi, c'est compliqué à dire, qui avaient fait des exploits en éliminant Metz déjà au tour précédent. Là, ils sont complètement perdus sur cette première action, vraiment cueillis à froid. Il ne fait pas chaud en plus ce soir à Auxerre. Ah, il ne fait pas chaud, le terrain est pourtant humide. Attention là avec Vanzo peut-être pour... La frappe qui a été détournée par un défenseur, qui a été contrée par un défenseur. Et le portier d'Auxerre qui peut tranquillement prendre ce ballon dans les bras. Mais oui, c'est une pelouse humide ce soir. Il va falloir faire attention au ballon qui fuse. Mais on a vraiment l'impression que Auxerre est taillé comme une machine de guerre pour le moment. Ouais. Lucien Denis qui s'amuse côté droit, l'arrière de Auxerre. Ballon pour Bro. Bro, Jean-Marc Cher. Ah, ouais, oui. C'est détourné. C'est bien dévié. C'est récupéré par Noël. Noël pour Truffaut. Côté gauche, on insiste côté Auxerrois. Mais c'est un contre de Faret pour les Blancs. Donc, c'est les Blancs, c'est Fontainebleau. Les Bleus, c'est Auxerre. Voilà, vous avez bien fait de préciser. Ce qui change du match aller, parce que les couleurs étaient inversées. Allez, c'est Noël qui récupère. Il va peut-être se centrer. La tête de Bro, ça tape le poteau. Ouh, il était battu, je pense pas qu'il fasse une magnifique reprise. Voilà. Ah mais ça file à côté, ça file dans les gradins du stade de la Baie des Champs. Et voilà, on revoit sur ces magnifiques images en ralenti que le ballon tape le poteau et Fontainebleau qui a deux doigts de craquer. Nous sommes même pas à la 15e minute de jeu et Fontainebleau qui n'arrive pas à garder le rythme, qui ne trouve aucune solution pour le moment. Je pense qu'ils ont le trac. Il faut dire que la SFP a fait les choses en grand avec pas moins de 8 caméras autour du terrain. C'est un dispositif assez exceptionnel pour ce 8e de finale. Exactement. Même à Auxerre, on n'avait jamais vu ça. Alors imaginez pour les Bellifontains.
Ils veulent bien faire, ils se savent observer par toutes ces caméras sur le bord du terrain et des fois ça crispe un peu. Exactement, alors que Denis a fait une faute sur Russell et c'est un coup franc milieu de terrain. Oui, c'est récupéré par Russell qui va trouver personne, il va récupérer le ballon. Non, c'est récupéré par aussi par encore une fois les joueurs de Fontainebleau avec Arjoun. Face à Lucien Denis. Ouais, Lucien Denis bien intercepté. Ils sont très offensifs, les latéraux auxerrois. C'est un peu l'habitude, hein, ce 4-4-3 mené par Giroud avec des arrières d'ailes, comme on dit. Exactement. Ils sont très offensifs. Hein, le ballon, là, ça s'est bien dévié par le défenseur dans les bras de Montaubin qui va se rassurer un peu. Allez, on a l'impression Montaubin que ça s'est calmé un petit peu là au niveau des actions, au niveau de l'intensité du match. Et enfin, Fontainebleau qui peut s'exprimer en faisant des passes avec Russell. Il n'y a pas trop de solution, il va trouver Arjoun. Non, c'est récupéré par Borel qui touche un de ses premiers ballons. Ah, les Auxerrois qui sont vraiment en maîtrise en défense, ils n'ont pas été vraiment inquiétés pour l'instant. Moment, ça oui. Fait déjà 20 minutes qu'on joue. Allez, Truffaut. Ils vont pousser pour le deuxième but, hein, forcément, quand on voit la supériorité technique et physique. Enfin, il semble qu'ils sont physiquement au-dessus. Truffaut, oui, ça c'est bien décalé. Truffaut, bien il perd pas la balle. Centré, c'est dégagé, mais c'est récupéré par Kuperli. Ouais, mais bien joué de la part de Farr. Et maintenant, c'est Lemartovic qui perd le ballon, mais c'est Jean-Marc Cher maintenant. Il a une occasion pour Rémy qui va frapper directement. Ça passe au-dessus. Elle était belle, hein. Belle frappe enveloppée du pied gauche. Ouais, sans contrôle, et ça passe au-dessus malheureusement, mais Auxerre qui n'a pas dit son dernier mot pour le moment. Alors, on se rappelle, vous avez rappelé hein, au début du match que Fontainebleau avait gagné 1-0 à Auxerre. Oui. Et je peux vous dire que Giroud a dépêché les vidéastes d'Auxerre, car on dit comme ça, et ils sont allés filmer le match en Division 3 de la semaine dernière. Et maintenant, les Auxerrois connaissent absolument tout sur ces joueurs Bellifontain. Et là, ils ne seront pas surpris. Hein. On a l'impression que ça a payé parce que ben, dès la première minute, ils ont réussi à trouver la faille. Allez, c'est Rémy qui va centrer. Ouais, mais ça va être dégagé pour Russell, mais pas pour longtemps. Oh, c'est bien joué. C'était presque brésilien, cette déviation en talonnade. Bon, ce n'est pas arrivé, c'est dommage. Malheureusement pour le moment, Fontainebleau qui n'arrive pas à se procurer d'occasion. Tout à l'heure, il y a eu cette frappe contrée. Farret, non. Ouais, mais c'est récupéré. Noël, plus rapide. Hein. Truffaut récupère encore la balle. Ah, Truffaut qui porte le danger sur son côté gauche, vraiment. Et là, on voit que les joueurs de Fontainebleau ne vont même pas attaquer les joueurs d'Auxerre. C'est assez inquiétant pour le moment, on a l'impression qu'ils subissent vraiment, qu'ils ont été sonnés par ce but en première période, en première minute, pardon. Ils sont vraiment en défense de zone là, il n'y a plus d'individuel. Hein. Et Jean-Pierre Noël, c'est bien joué. Ça va être récupéré par Russell, peut-être. Il doit une contre-attaque. Rendez-vous compte, l'ailier gauche, vous avez vu, il doit redescendre à 20 mètres de ses buts, l'ailier gauche de Fontainebleau. Eh oui. On n'a pas parlé de l'arbitre, hein, monsieur Conrad. Conrad, oui, un arbitre très expérimenté qui officie en Division 1. Mais qui vient de siffler une faute en faveur de Fontainebleau, que va tirer Guili. Guili, le libéro de cette équipe. Et nous sommes à la demi-heure de jeu déjà, et Auxerre mène 1-0. Les deux équipes sont donc à 1 partout. Et si on en reste là, il y aura bien sûr cette épreuve de prolongation, et si rien n'est marqué, cette fameuse épreuve de tir au but. On n'en est pas encore là. Non, pas encore. Non. Finalement, Fontainebleau, quand on a vu leur potentiel offensif lors des matchs précédents, on se dit qu'ils peuvent marquer à n'importe quel moment. Exactement. Vous aviez parlé tout à l'heure du match face à Metz. À Metz, ils avaient quand même gagné 3-0. Ah oui, c'est un des plus gros exploits de l'histoire. Là, c'est un sacré exploit. Et quoi qu'il arrive pour cette équipe de Fontainebleau, hein, quoi qu'il arrive, ils auront quand même fait un très bon parcours. Hein, car avant de battre Metz, ils avaient battu le Stade Brestois aussi. Tout à fait, le petit pousset de cette Coupe de France, toujours sympathique, et le petit pousset qui joue très bien. Bon, et qui ont été très très bien accueillis hein, par Auxerre hier soir. Oui, il n'y a vraiment pas une rivalité méchante, hein, c'est vraiment la fête du football. C'est bon enfant, mais voilà, c'est tout à fait la fête du football, la Division 2 contre la Division 3. Le football qu'on aime.
Exactement, dans un bon esprit, un football assez offensif. Attention à Farret. Ah, il revient, je ne sais pas. Ouais, ah, le ah marteau Vista, ouais, mais... le buteur du match aller, il est suivi de près. Ils sont c'est vraiment compliqué pour le moment avec Jean-Marc Cher qui récupère. Jean-Marc Cher qui va trouver une solution avec Truffaut. Ah, et on a encore le même dispositif que lors du premier but. Et le but, et le voilà, le deuxième. C'est bien emmené, très très belle action côté gauche. Et c'est Patrick Rémy hein, qui reçoit ce centre de Truffaut. Il va le remercier. Allez, on va dire que c'est pratiquement le, on va dire que c'est pratiquement le but copie conforme hein, que celui marqué à la première minute. Un débordement de Truffaut qui est laissé seul encore une fois sur l'aile. Ah oui. On se demande où est l'arrière de Fontainebleau, là, Christian Quéré, on ne l'a pas vu du tout, l'arrière droit. Alors on va revoir le ralenti, regardez, Truffaut seul. Ils sont dans l'axe les défenseurs. Et regardez ce superbe son vraiment millimétré. Là, c'est vraiment posé sur la tête de Patrick Rémy. Alors, regardez encore cet angle. Un grand merci, hein, franchement, pour cette disposition de caméra. On se régale de voir ces images. Ah oui, on se croirait à un match de Coupe d'Europe, vraiment. Là, exactement. C'est très, très bien filmé. Bravo, et ça bravo, fait bravo, donc bravo. 2-0 juste avant la mi-temps pour la JOCR. Le coup de bambou pour les Bellifontains. Exactement. Allez, le Martovic. Pour Sanchez qui va trouver Quéré. Il n'y aura pas d'arrêt de jeu. L'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas d'arrêt de jeu à donner. C'est vrai qu'il y a eu très très peu de fautes. Et c'est la mi-temps sur ce score de 2-0 en faveur de la JOCR. On se retrouve juste après une page de réclame. A tout à l'heure. Et voilà, nous sommes de retour à la Baie des Champs où Auxerre a remonté son retard du match aller, 2-0. Et on se retrouve donc pour cette seconde période qui vient de débuter. Et Fontainebleau, Ben, bah, qui malheureusement a complètement manqué sa première période. Tout à fait. Et attention au début de la deuxième mi-temps avec Jean-Marc Cher, qui est contré heureusement par un défenseur bellifontain. Montaubin récupère la balle. J'ai pas vu de remplaçant entré en jeu. Hein. Mais je sais pas si l'apport de remplaçant changerait quelque chose malheureusement au jeu du cercle sportif de Fontainebleau. Parce que pour l'instant, bah, ils sont pas dans leur match. C'est un problème d'homme, hein. C'est un problème aussi de mental. Hein. Maisonnès, qu'on n'a pas vu beaucoup, le capitaine Auxerrois aujourd'hui. Avec Lucien Denis maintenant. Il n'a pas eu l'occasion de s'illustrer. Mais il va centrer pour la tête de personne. C'est dégagé de la part de la défense Bellifontaine. Maintenant, c'est envoyé très très loin pour peut-être... Chipon pour Russail. Pour Russail. Ouais, mais c'est récupéré par Rock. Ah, il se bat bien, sans faire faute, regardez. Ah oui. Allez, peut-être la première grosse occasion en cette seconde période. Oh, c'est mal donné. Malheureusement, c'est mal donné. Il a trop voulu, je pense, s'appliquer sur son centre et la défense auxerroise a eu le temps de se replacer, d'intercepter ce ballon. Il y a une touche, peut-être qu'il va y avoir un changement. Non, pas pour le moment. Pas. Non, non. Quéré, côté droit, il revient derrière. Ils n'ont pas de solution, regardez les Bellifontains. Il faut dire que les joueurs d'Auxerre sont très très bien positionnés. Il laisse vraiment que très peu de failles. Et attention là, contre-attaque avec Patrick Rémy. Encore une fois, laissé seul sur l'aile. Là, c'est vraiment un gros souci ce soir pour la défense de Fontainebleau qui laisse beaucoup trop de brèches pour cette équipe auxerroise. Mais attention, Farré qui va récupérer. Oui. Ouais. Oh là là, la défense auxerroise impeccable. Pour le moment, vraiment, qui est... Ah, Cuperli, c'est bien vu. Ouais, ouh là là. C'est quand bien même bien joué, par contre, c'est bien défendu. Oui, oui. Allez, on récupère avec les joueurs de Fontainebleau, avec Farré, Wanzo qui lance Farré, c'est très bien joué. Un jeu en triangle, oui, très bien. La frappe, oh, c'est superbe, Chipon, dommage. Magnifique, alors ça, c'est vraiment le jeu de Fontainebleau qu'on avait vu au tour précédent, même au match aller. Ces belles envolées, ce jeu en triangle, et un jeu très offensif hein, malgré exactement, leur exactement, c'est vraiment dommage de voir ça qu'à la 60e minute de jeu, on aurait bien voulu voir ça un peu plus tôt dans la rencontre. Il a glissé Chipon, et comme dirait Jean-Michel Larquet, voilà, il ne faut pas jouer en crampon moulé sur un tel terrain, monsieur, mais ça, il l'apprendra peut-être s'il passait professionnel.
Allez, les Martovis, qui a peut-être une occasion, les Martovis. Ah, les Martovis, oui, ouais, dommage. Ils ont réussi à se défaire du marquage, mais la dernière passe qui n'a pas été parfaite. Allez, Rémi, qui va peut-être récupérer son ballon pour Lucien Denis. Attention, parce qu'Arjoun n'est plus en couverture. Ah, ça joue très très bien, là, du côté des Auxerrois. Maisonnès. Maisonnès, c'est toujours. Regardez-le, tranquille. Il va s'entrer en retour, voilà. Bien sûr. Ah, c'est magnifique. Et voilà le but logique. Marqué par Jean-Marc Cher. J'ai l'impression avec ce maillot bleu de voir Platini qui décalait pour Bernard Lacombe. Je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais on s'était cru en équipe de France sur cette occasion. Elle a vraiment une maîtrise de Serge Maisonnès, numéro 10 auxerrois. On va revoir encore une fois le joueur d'Auxerre qui est laissé seul. Et là, il peut tranquillement donner son ballon. Et en bon professionnel, Jean-Marc Cher qui peut inscrire ce troisième but qui enfonce encore plus le clou. Ah, c'est dommage, hein. Montaubin était pourtant bien sur la trajectoire du ballon. Ouais. Il va au-devant des supporters qui sont venus quand même en nombre, même si le stade d'Auxerre n'est pas plein. Giroud pestait un peu, il disait que la télévision tuait un peu le football et qu'il aurait préféré que le match ne soit pas retransmis. Mais on connaît Giroud, on a appris à le connaître, l'entraîneur auxerrois. Toujours, il n'est pas avare de bons mots. Hein. C'est vrai. Et si j'ai bien écouté à la mi-temps, ils ont donné à peu près 6000 spectateurs dans le stade ce soir. Oui, tout à fait. Et ben voilà, Maisonnès qui va sortir. Ah, il est un peu poussé par Chanzato, hein, vous avez vu. Et c'est le jeune, tout jeune Ferreri, oui, qui avait déjà marqué au tour précédent, Ferreri. Un bon petit milieu de terrain, il joue souvent numéro 10. Allez, nous sommes Et nous sommes à la 70e minute de jeu bientôt. Et donc Auxerre qui mène 3-0. Et on a vraiment l'impression que la Fontainebleau n'y est plus du tout. Alors déjà qu'ils n'y étaient pas beaucoup. Cuperli, attention, il y a de la place pour Jean-Marc Cher. Ah, le bel arrêt. Magnifique arrêt de... Alors on a l'impression que Jean-Marc Cher a tout de même loupé sa frappe. Elle n'était pas du tout puissante. Mais avec ce terrain gras, c'est peut-être pas facile. Ouais, ça doit pas être facile, voilà, c'est quand ça. Allez, Faré. Si lui, il joue pas au crampon moulé, hein, Jean-Marc Cher. C'est possible. Allez, c'est récupéré par Bro. Attention, c'est bien vu, Bro. Le premier buteur du match, Bro, celui qui a débloqué le score et qui a permis, du coup, à Auxerre d'aborder ce match vraiment sereinement. Plus sereinement, oui. Allez, changement pour l'équipe de Fontainebleau avec Dugornet qui rentre à la place de Vanzo qui a tenté, mais qui, malheureusement, il n'a pas réussi à servir ses attaquants aujourd'hui. Hein. Allez, Jean-Pierre Noël, c'est Noël, superbement donné. Oh là là, c'est beau. C'est beau, regardez cette passe de l'extérieur du pied. L'extérieur du pied rarement sollicité, finalement, par les footballeurs professionnels pour faire de telles passes. Et une nouvelle fois, Jean-Marc Cher qui se heurte à Montaubin, qui ne fait que... comment on pourrait dire... éviter de vraiment que cette équipe de Fontainebleau prenne l'eau. Il évite le naufrage, hein. C'est exactement. Un peu le capitaine sur le pont et il réussit à quand même repousser quelques tirs alors que deuxième remplacement, l'Oiseau remplace Chipon. Oui, c'est vraiment au milieu de terrain qu'il y a eu un problème de toute façon aujourd'hui du côté de Fontainebleau. Ils n'ont pas pu distribuer les ballons aux attaquants. Le Matovic n'a jamais été servi. On a vu Rusaille buter contre la défense et ils n'ont reçu aucun bon ballon. Alors, le but magnifique. Superbe. Voilà. Finalement, suffit peut-être de changer du monde et ça s'anime mieux en attaque. Et c'est Faré qui redonne un mince espoir pour cette équipe de Fontainebleau. Regardez, il remotive un petit peu tout le monde. Oui, le jeune Christian Faré, 22 ans. Oui, il marque un beau but et ça fait 3-1. Et sait-on jamais, Niki? Sait-on jamais? Sait-on jamais, car cette équipe de Fontainebleau peut réaliser des exploits. Ils en ont déjà réalisé un lors du tour précédent. Alors pourquoi pas? Cette Coupe de France est faite pour ce genre d'exploit. Comme avait titré nos amis du Parisien après le match aller, c'est Fontainebleau. Fontainebleau, exactement. Et on ne sait jamais. Ah, Patrick Rémy qui sort. L'ovation de l'abbé Deschamps. Et c'est Klose qui va le remplacer. Joseph Klose. Il y aura donc deux Polonais sur le terrain côté auxerrois, puisque Marian Seya, qu'on a vu juste ramasser un ballon au fond de ses filets, est également Polonais. C'est vrai que ce soir, Seya peut rester tranquillement contre son poteau, n'a pas grand-chose à faire. Bon, malheureusement, il s'est pris un but. Ah oui, voilà.
Bro qui a peut-être été un des meilleurs Auxerrois sur le terrain aujourd'hui, en milieu de terrain. Cher. Qui joue en deuxième numéro 10, un peu, on le voit rarement en tant qu'avant-centre. Oh la frappe! C'est magnifique ce qu'il alors, vient de faire. Je crois... Vous avez vu la technique de ce joueur. Je crois qu'il a fait passer le ballon entre les jambes du défenseur. On va revoir ça, car on remercie encore ces images. Ah oui, ah, regardez, là. Oui. Alors on appelle ça un petit pont en France, et nos amis italiens appellent ça un tunnel. Eh oui, c'est un sacré tunnel qu'il a fait, Close. Et encore une belle arrêt de Montauban. Ferreri, pied gauche. Oh, c'est joli. Oh oui, c'est joli. Pas assez appuyé, malheureusement, mais ça fait du bien de voir des gestes tentés comme ça. Bon, ils peuvent se le permettre au CER à ce niveau du match maintenant qui mène 3-1. Oui. J'ai Philippe en bord de terrain qui me signale qu'en anglais, ça se dit nutmeg. Le petit pont, eh ben voilà, on aura appris des mots étrangers aujourd'hui. Oui, attention contre Noël, les Auxerrois qui veulent encore remarquer. Ça va vite, ça va vite. Et Truffaut qui a pu ses jambes du début de rencontre, mais qui arrive à... Il est fatigué, mais moins que son arrière. Hein. Ah oui, que l'arrière qui le garde. Là, voilà, ils ont du mal, les Bélifontains. Qui récupère pour Truffaut, c'est bien joué avec Noël. Noël qui revient en arrière pour Lucien Denis, mais c'est pas très bon ça par contre. Et ça va donner une contre-attaque pour cette équipe de Fontainebleau, mais pas longtemps, car Rock qui récupère pour Noël. Ouais, il y a peut-être faute. Hein. Il y a peut-être faute. Ferreri qui trouve. Il reste 3 minutes Close. À jouer. Attention, allez, Close, Close qui rentre dans la surface, qui va frapper le quatrième. Oh là là. Il avait manqué sa première frappe. Ah, il n'avait pas manqué, il l'avait bien frappé, mais c'était le gardien qui l'avait détourné. Cette fois-ci, ça rentre dedans et voilà. Joseph Close qui marque le quatrième but et qui va donner maintenant, on est pratiquement sûr, la victoire à la JOCR. 4-1, il reste 2 minutes. Bah voilà, Close qui aura des magnifiques statistiques. 2 tirs cadrés, 1 but. Parfait. On peut pas faire mieux dans les stats. Et Giroud qui a fait encore un savant coaching en remplaçant Patrick Rémy qui était cramé en fin de match. Et regardez, c'est Ferreri qui la donne à Close. Donc voilà, les deux remplaçants qui construisent ce quatrième but. Donc le synonyme de qualification en quart de finale. Pour on va tout de même tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de Fontainebleau qui auront vécu une petite épopée en Coupe de France. On leur souhaite tout le meilleur pour cette fin de saison en 3e division. Oui, et on espère que beaucoup de spectateurs ont regardé ce match en France et ont découvert cette belle équipe. Et il reste que quelques minutes d'Urgonnais pour Faré, peut-être une petite réaction. Allez, pourquoi pas de Fontainebleau, on ne sait jamais, marquer un nouveau but, histoire de... Ah oui, pour l'histoire, ça pour serait l'histoire. Pas mal, 4-2, oui. Alors que l'arbitre de touche a levé... Le panneau de 2 minutes d'arrêt de jeu et closeur encore pour Jean-Marc Cher. Allez, peut-être. Oh, il a tenté la balle piquée. Ouais, mais peut-être pas assez forte. Oui. La Montauban n'a pas été surpris. Oui. Ça aurait été un beau geste si ça rentrait. Allez, l'arbitre, voilà. Il siffle la fin du match sur ce score en faveur d'Agi Auxerre. 4-1. Ça a été un match plutôt facile pour Auxerre ce soir. Oui, pas de surprise, Fontainebleau quitte la coupe, la tête haute. Malgré cette défaite, on a vu quand même un beau match avec des buts. Ben on va se retrouver maintenant pour la suite de cette Coupe de France avec les autres matchs et les autres buts. Et nous avions donc Lille-Monaco. Oui, tout à fait, avec une victoire au match aller de Monaco 1-0. Donc on attendait un beau match retour. Et c'est les Monégasques qui allaient carrément mettre fin au suspense dès la 7e minute. Passe de Culetto pour l'inévitable Albert Raymond qui marquait donc le but monégasque. 1-0 après 7 minutes. Il avait déjà marqué à l'aller Albert Raymond en plus. Ouais, tout à fait. Et donc des Monégasques... presque sûr de se qualifier. Et il fallait attendre la 79e minute pour voir Pierre Plemelding égaliser suite à une passe de Cabral. On va voir un beau jeu en mouvement. Donc les Lillois en rouge sur vos images. Et Monaco avec son très beau maillot en diagonale, bien sûr. Et très belle tête de Plemelding qui trompe Ettori. Ça fera donc 1-1. Et ce sont les Monégasques qui se qualifient pour les quarts de finale. Et on revoit le but de Plemelding. Un saut de Vitalis qui ne sert à rien. N'empêche pas l'avant-centre lillois de marquer. Je vous passe le micro, Ben. Oui, parce que Saint-Étienne, c'est Strasbourg, pardon, qui recevait Rouen.
Et les Strasbourgeois vont s'imposer. D'abord, premier but marqué par Bianchi. Nous sommes en première période. Et un but de renard de la part de l'Argentin. On revoit cette frappe qui élimine le portier de Rouen. Et en seconde période, ce sera Wagner qui assommera cette équipe rouennaise. Alors ça se jouait sur un terrain détrempé, mais les Strasbourgeois, décidément, qui ne vont pas se laisser abattre. Et Wagner qui peut marquer tranquillement ce second but. Et les Strasbourgeois qui se qualifient pour les quarts de finale. Très beau but, hein, de près, aucune chance pour le portier adverse. On va à Alès, Alès qui accueillait Avignon, match aller 0-0 entre ces deux clubs de division 1. Et c'est Avignon qui est en blanc, qui va marquer par l'entier, oui, dès la 12e minute, une passe de Longo. Donc, je rappelle, Avignon en bleu, Alès en blanc. Non, c'est le contraire. D'accord, on me signale qu'Alès était en bleu, donc Avignon en blanc. Le premier but, c'est donc l'entier à la 12e minute. Et ils vont doubler la mise, les joueurs d'Avignon, par Lendo juste avant la mi-temps, 42e minute. Une passe de Jean-Louis Bassi qui a été l'homme du match, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et donc 2-0 sur le terrain d'Alès pour les Avignonnais. Le club de football de la cité papale, comme on dit. Oui. Et il va y avoir un troisième but à 20 minutes de la fin, en deuxième mi-temps. Regardez la défense d'Alès qui est complètement à la rue. Et Jean-Louis Bassi qui fait un magnifique petit lob sur le portier d'Alès. Et dans les tribunes, on commençait déjà à déserter le stade alors qu'il restait 20 minutes encore à jouer. Ils vont être un peu piqués au vif, les joueurs quand même d'Alès, par ce but. 4 minutes après, c'est Cabanis qui va marquer un but. Ils vont sauver l'honneur, donc les locaux. On va voir un joli petit but, hein. Vous allez voir la passe de Mathieu. Et hop, un peu comme le but de Strasbourg. Oui, un peu comme le but de Strasbourg tout à l'heure. Et ça fait donc 3-1. Ou 1-3, comme diraient nos amis belges, finalement. Et Lando, l'attaquant d'Avignon, va marquer à 4 minutes de la fin. Bel exploit personnel. Et petit lob également, voilà. Humiliation totale d'Alès à domicile. Avignon file en quart de finale et c'est quand même une grosse surprise. Il y aura donc plusieurs clubs de Division 2, on reverra ça sur les tableaux tout à l'heure, hein, plusieurs clubs de Division 2 qui participeront aux quarts de finale. Les quarts de finale qui seront tirés au sort par Sheila et Carlos tout à l'heure. Hein. Et par la suite, ça se joue au Parc des Princes, le Paris FC qui recevait Le Havre. Paris FC qui avait battu Le Havre 1-0 au match aller. Ils vont être surpris en première période. C'est Vendroli qui va marquer contre son camp sur cette frappe de Gueye. Mais on ne comprend pas trop car on a vraiment l'impression que c'est Gueye qui marque. Et pourtant, le but est bien inscrit contre son camp par le joueur parisien. Oui, Vendroli, oui. Et c'est du moins ce qui a marqué sur le rapport de la fédération. C'est ça. Oui. Mais dans les minutes, en seconde période, c'est bien Lafargue qui va égaliser le défenseur, qui va frapper comme une mule dans le ballon. On voit, il arrive vraiment sur l'arrière de l'écran et il va frapper le gardien. Superbe but au Parc des Princes. Le gardien est battu, sûrement caché par un de ses défenseurs. Et grâce à ce but, car le score final sera de 1 partout, le Paris FC qui se qualifie pour les quarts de finale. Et encore une équipe de D2 en quart de finale. Exactement. Alors Cannes recevait Orléans. Cannes qui joue en rouge, Orléans qui joue en blanc. Eh ben non, pas du tout, puisque c'est Orléans qui joue en rouge. Et c'est Hammersmith qui marque le premier but à l'extérieur. Orléans qui avait gagné son match aller 1-0. On se disait qu'à Cannes, il y aurait sûrement du beau spectacle. Et il y a eu du beau spectacle et beaucoup de buts. Donc Hammersmith, l'avant-centre yougoslave, qui marque à la 15e minute. Mais Baoken va égaliser pour l'équipe locale. Passe de Charlie Loubet. Il est toujours là, Charlie Loubet. Toujours. Et Baoken qui rate un peu sa frappe. Mais finalement, les terrains étaient très gras ce soir. Et beaucoup de faux rebonds et de reprises ratées qui ont fini au fond des filets adverses. Je crois qu'elle est un peu déviée sûrement. On voit malheureusement pas ralenti, dommage. On joue la deuxième mi-temps.
on est à l'heure de jeu. Et encore Hammerschmidt, parce qu'on n'oublie pas Hammerschmidt finalement. Hammerschmidt sur une passe de Bruno Germain, comme sur son premier but. Il marque le deuxième but et Orléans qui mène 2-1. Il restait une demi-heure à jouer. Les Orléanais bien lancés vers la qualification en quart de finale. C'est un petit peu déroutant de ne pas voir les Orléanais en jaune. Hein. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je me suis un peu perdu moi aussi hein, sur les maillots. Kahn qui va égaliser par Pierre Sitter sur une passe de Charlie Loubet. Et oui, évidemment, encore lui. Il restait 10 minutes à jouer, ça faisait 2-2, mais il fallait encore deux buts aux Canois pour se qualifier, puisqu'ils avaient perdu 1-0 au match aller, ce fameux but à l'extérieur qu'ils n'ont pas marqué, eux. Et les Orléanais qui vont en marquer un troisième par Sablé. Sablé toujours dans les bons coups. Il restait 2 minutes, on jouait à 88e et donc c'est la qualification d'Orléans avec cette victoire, très belle victoire obtenue donc sur le terrain de Cannes. Jamais facile de battre Cannes sur son terrain d'ailleurs. Non, très bel effectif cannois, on pensait les voir remonter d'ailleurs en division 1 mais ils stagnent. Exactement, et Sochaux qu'on avait commenté la semaine dernière recevait Valenciennes et Stopira va donner la victoire aux jaunes et bleus en première période. Nous sommes à la 5e minute de jeu. Et ah, Sochaux, quel avant-centre, ce ah, Stopira. Oui, oui. Et Sochaux qui verront donc sans problème les quarts de finale de cette Coupe de France. On revoit ce très joli but marqué par Yannick Stopira. Il se joue de la défense et le stade Bonal est en fait. Dans un match qui n'a pas été formidable par contre. Non, et alors là, la grosse surprise. Ah, oui. On a gardé le meilleur pour la fin. Montpellier qui avait fait match nul aller à Lens, l'aller à Bollard, et Montpellier qui va marquer à la 10e minute par Curioni sur un centre de Christian Saramagna. Bon alors quand il y a plein d'anciens pros qui ont joué en division 1 dans un club de D2, vous allez me dire c'est un peu plus facile, surtout des joueurs de la trempe de Saramagna et Curioni, mais tout de même. Il faut quand même battre Lens. Une sacrée équipe, et ça fait donc 1-0, et ça va faire 2-0 sur ce tir dévié de Saramagna. On joue depuis la 21e minute. Et on ne voit pas Lens réagir, c'est ça qui est complètement étonnant. Ah, très bon contrôle de ballon. Saramagna, oui, oui, il n'a rien perdu. Hein. Saramagna numéro 11. Et juste avant la mi-temps, Hugo Curioni, l'ancien Nantais, lancé tout seul face à la défense lensoise. Décidément, c'est la soirée des petits buts en lob face aux gardiens. C'est le troisième qu'on a vu de cette façon ce soir, si je ne me trompe pas. Très belle passe de son ailier. Il devance la défense lensoise qui est un peu lente et empesée hein, sur ce troisième but. Mais c'est pas fini. Rendez-vous compte, 70e minute, l'Argentin Hugo Curioni qui signe un triplé. Le ballon est mal renvoyé par la défense lensoise, les Lensois qui ne savent plus où ils en sont. Et ça fait 4-0. Incroyable. L'entraîneur lensois procède à 2 changements. Ça va absolument rien changer. C'est la plus importante de Lens cette saison. Hein. Tout à fait, il y aura encore un but. Agostini à la 78e. Regardez la défense lensoise, ils sont plus que deux en défense. Il laisse Agostini, il y va tout seul, il dribble tout le monde. Et ça fait, oui, 5 buts à 0 pour la Paya de Montpellier qui se qualifie en quart de finale. Il y aura décidément beaucoup de clubs de Division 2. C'est l'année des surprises en Coupe de France. Et voilà, et donc on va découvrir ensemble le tirage au sort de ces quarts de finale. Et voici donc les tirages au sort qui a été fait tout à l'heure, comme vous l'aviez dit, par Carlos et Sheila. Donc il y aura Avignon face à Orléans, Paris FC face à l'AJ Auxerre, Sochaux-Monaco, le choc de première division, et enfin Montpellier-Strasbourg. Des bons quarts de finale, Ben, quand même. Ah oui, tout à fait, avec 5 clubs de Division 2 en quart de finale et plus que 3 représentants de la Division 1. On s'attend encore énormément à des surprises. Normalement, il y a quelques bruits déjà. Je pense qu'on va sûrement diffuser le match Montpellier-Strasbourg. Cette équipe de Montpellier qui a mis un 5-0, là, vous venez de le voir à Lens. Et ça sera peut-être ce match-là qui sera diffusé. D'ailleurs, on vous laisse revoir tous les résultats qu'il y a eu lors de ces huitièmes de finale, retour de cette Coupe de France. On vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt. Merci Ben encore une fois de m'avoir épaulé et à très bientôt pour une nouvelle rencontre de Coupe de France. Bonsoir.